n'ai pas pour habitude de faire des vidéos. Absolument pas. Là, j'ai mis ma plus belle tenue, disons une tenue avec laquelle notre cher président peut-être m'écoutera et me comprendra. Oui, effectivement, le roi écoute plutôt ses sujets proches que le peuple, le vil peuple. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo. Ça plaira pas, c'est drôle, c'est pas drôle, ça n'est pas grave. Pour une fois que je fais une vidéo, soyez indulgents. Majesté, sire, monsieur Macron premier, écoutez le peuple ce qu'il a à vous dire. Parce que depuis que vous avez usurpé le trône, c'est-à-dire avec à peu près 20% de la population qui a voté pour vous, écoutez ce que les 80% restants ont à vous dire, sire. Voilà, tout d'abord, à peine arrivé sur le trône, vous privilégiez vos amis de la cour, les nobles, les hauts fonctionnaires, les riches, vous supprimez l'ISF, vous supprimez la flat tax, vous leur faites des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Mais que dire du fait que, à peine arrivé au pouvoir, vous cassez le code du travail? Bon, il y a eu le peuple qui s'est rebellé, mais vous n'en avez que faire. Vous avez aussi cassé la SNCF. Là aussi, le petit peuple que vous négligez, que vous négligez, c'est bien, à manifester, vous n'en avez que faire également. La CSG, les retraités, les APL, tout le monde se plaint. Les infirmières, les ambulanciers, les agriculteurs, la police, les magistrats, les enseignants. Mais vous n'en avez que faire. Que faire, sire? Que devons-nous faire pour que vous nous entendiez? Je sais que du haut de votre tour d'ivoire, vous savez qu'on ne peut pas venir vous chercher. Vous êtes protégé par vos gardes royaux, mais rappelez-vous, en 1780 et quelques, il y en a un qui a eu la mauvaise idée de ne pas écouter le peuple. Regardez où ça l'a mené. Faites attention, monsieur le président, monsieur le roi, oui, notre bon roi. Mais cela ne suffit pas. Vous avez aussi décidé d'embêter le peuple. Oui, l'embêter, tout simplement, en instituant les 80 km/h. Mais pas grave, avec les chariots qu'ils ont, vieilles, usées, polluantes, ça n'est pas grave, 80 km/h, c'est bien suffisant. Mais pour faire encore plus fort, vous avez décidé aussi de lutter contre la pollution. Et comment faire pour lutter contre la pollution, sire? Eh bien, on augmente les taxes sur les gasoils, sur l'essence. Mais ce n'est pas grave, ce sont les pauvres qui vont payer. Et puis ça permettra aussi de combler les finances avec le cadeau que vous avez fait aux riches. Oui, mais bon, la cour est plus importante que le peuple. N'oubliez pas, quelqu'un lui dit, il veut du pain, mais qu'il se force, qu'il mange de la brioche. En attendant, la taxe écologique, c'est une belle foutaise. Le contrôle technique endurci, c'est pour la sécurité, bien sûr, si, bien sûr, je sais. Comme les 80 km/h, tout ça, ce n'est pas pour apporter de l'argent. Alors rappelez-vous, oh sire, respectez sire, adorez sire, mais pas par le peuple. N'oubliez pas qu'un jour, tout ça peut s'arrêter.